J'espère que vous aimez la vidéo, c'est pas que abonnez-vous. C'est la bonne vidéo et toc. Voici, je vous présente. Ok, je sais très bien que dire dans les commentaires que ce loup est bizarre. Savez-vous que c'est un loup Outiwa? Donc, il fait partie des clans emmêlés. Donc, j'espère que c'est pas, il faut penser à quelque chose. Donc, il s'appelle Jassi Outiwa. Donc, d'accord, c'est un loup Outiwa qui a été élevé par son oncle qui s'appelle Sasuke, bien sûr Outiwa. Et son mentor était aussi son oncle. Parce qu'il ignorait qui sont ses vrais parents à l'époque. Quand il était né, il ignorait qui sont ses vrais parents. Donc, il fait partie du clan loup Outiwa. Et il maîtrise les techniques du loup Outiwa, aussi du clan Outiwa. Surtout, il maîtrise aussi la technique interdite des Outiwa. Il maîtrise les Anaki qu'il a utilisé plusieurs fois contre Shaitomi. Une technique en échange d'un Sharingan qui transforme la réalité en illusion. Et qui utilise parfaitement bien la technique de la téléportation. Mais, hélas, quand il était le tôt, il ignorait qui sont ses vrais parents. Mais cette fois maintenant, il découvre qui sont ses vrais parents. Grâce à Shaitomi et à Shatenten, il découvre qui sont ses vrais parents. Il découvre que attention, je vous donne un petit quiz. Vous êtes prêts pour le petit quiz? Préparez-vous au petit quiz sur ses vrais parents. Très bien, regardez très bien ses yeux. J'espère que ça va partir dans un personnage que vous connaissez très bien, d'accord? Et regarde très bien le truc le plus étrange, cette marque. Regardez très bien ça. J'espère très bien que vous connaissez très bien où ça va en venir. Vous voyez très bien, j'espère. Donc, c'est seul loup Outiwa d'avoir des cheveux, donc c'est une seule chose. Donc, depuis... Après ça, il découvre qu'ils sont ses vrais parents. Il a pété un plomb, il a fait un scandale. Indice, son vrai père est le frère aîné du loup du clan Outiwa. Devinez, vous avez 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il s'appelle Chat, attention, Chat avec un mot passe par I. Alors cherchez bien et attention, I-T-A-C-H-I, Outiwa. Retenez très bien ces mots, à quoi ça veut dire. Sa vraie mère est un... Très bien, est-ce que vous avez suivi sur les commentaires? Je vais vous donner par l'ordre de l'air et vous devez réunir ces lettres. Un peu comme 4 images pour un mot. Attention, préparez-vous. Attention. C'est chat. Il commence par S, A, K, U, A, R, A, Aruno. Bien sûr, il a pété un plomb qui découvre que ça c'est vrai pas. Et la réponse, et pas sur le commentaire, c'est... Son vrai père est Sha Itachi et sa vraie mère, Sha Sakura Haruno. Et son oncle, bah, il découvre qu'il s'est fait adopter par son oncle, Sha Sasuke, et qu'il vivait chez Papa Krip depuis le début. Il a pété un plomb qui découvre ça. D'accord, avant, Sha Itachi Uchiwa et Sha Sakura Haruno, ils s'aimaient. Ils s'appréciaient qu'ils étaient, ils s'appréciaient complètement les défauts. Ils n'avaient pas de point en commun, mais le jour que Sha Itachi découvre que Sha Sakura était enceinte de lui... Et qu'elle a donné naissance à un louveto Outiwa que un chat de l'autre clan n'a pas pour donner naissance à un louveto. Il est conséquent désirable. Il peut avoir des problèmes de pelage. Problème de pelage, de yeux. Et surtout, il va avoir plus de techniques du clan, de deux clans. Donc, il a un mélange parfait de ses parents. Donc, il a pété un plomb quand il découvre ça. Il découvre que. Quoi? Tu veux dire que mes vrais parents sont en vie? Mais où sont-ils? Ton vrai indice, ton vrai père. Ok, d'accord. Je sais qui est ton père et ta mère, parce que rien que ça, en fait, non. Donc, c'est vraiment plus débile.
écoute un peu, je suis Pietralou, tu vois. Mais faut pas faire toute une histoire quand les loups sont bêtes. Pourtant, tu es bête, oncle. Ah ! Tu veux dire quoi ? Disons que c'est patron. Ta vraie mère est... Et Sha Sakura Haruno et ton père Sha Itachi Uchiwa. Attends. C'est-à-dire que... Ouais, tu t'es fait adopter. Mais pourquoi ils ont pas occupé de moi? Parce que les chats de l'autre clan n'ont pas donné naissance à un loup Uchiwa. Donc le seul moyen pour te protéger, ils t'ont fait adopter. Fiston, je suis tellement désolée. Donc, il découvre qu'il a un demi-frère, qu'il a un beau-père et un demi-frère. Son beau-père est chat araignée et son demi-frère, chat Imo. Parce que lui, chat Imo, en fait, chat Imo et chat Jashi, ils ont le père différent, mais ils ont toujours le... Oui, mais ils ont la même mère. Ils sont demi-frères parce qu'en même temps, ils sont demi-frères parce qu'ils ont la même mère. Ils ont la même mère. Chat Sakura. Attends, tu veux dire que j'ai un demi-frère, un beau-père demi-frère, que ton beau-père s'appelle Chat Arnie et ton demi-frère Chat Imo. Attends, ça veut dire que je me suis fait adopter, c'est ça? Adopté par ton oncle, Chat Sasuke. Bah oui, un peu plus, moi j'ai pas chez les Lupto. Alors, je crois que t'es pas si bête que ça, toi, Paulo, tu vois. Depuis quand tu dis Anaki? Hein? Ils ont acquis des techniques interdites des Uchiwa. Un jeu de Sharingan, ils ont arrêté l'illusion. Faut les accuser à la fois. Mais toi, tu t'en sers plusieurs fois. Mais depuis quand, ça? Ton père, GTG, va péter un scandale. Il va péter un plomb. Attends, tu fais dire quoi? Que mon père et tes frères étaient de la famille. Wouhou! Là, c'est cool, non? Mais c'est pas cool du tout, là. J'ai l'impression d'être différent des autres. Bah, t'es différent des autres. T'as des ailes, des taches marron. T'as une queue blanche, un queue... Un que marron, comme un animal sauvage, oui. Attends, tu veux dire qu'elle m'a vraiment aimé ou pas? Tes parents t'aiment vraiment... Attends, j'ai blanchi Itachi. Chez Itachi. Ça, c'est que tu te la vérité, c'est ça, est au courant de tout. Quoi? Ouais, le courant, oui, t'inquiète pas, papa, qu'elle te dit que c'est vos parents. Mais comment il a su? Parce que papa, qu'il m'a dit que vous avez une cachette, alors c'est logique. Ok, c'est pas vrai. Papa? Salut, Chat Itachi. Je pourrais peut-être t'appeler. Père. Fiston, écoute, je t'aime beaucoup, tu sais. Mais on n'avait pas le choix. Tout ça parce que Chat Sakura est un chat du clan Haruno et Chat Itachi un loup du clan Uchiwa. Il faut faire un effort, ok? Si un chat Haruno et un loup Uchiwa s'accouplent, ils donnent ça à un louveteau qui est bizarre. Toi, la ferme, mon oncle. Ok, dis pas la ferme à son oncle. Mais t'avoue, j'ai bête. Ou peut-être moi qui ai fait plus mal que les autres. Alors, c'est ça le problème, je suis fait adopter. Ouais. Cette fois maintenant, il fait partie de la famille des sombres. Sa tribu est la glace. C'est ton élément préféré, la viande et le poisson. Quand tu penses à une travaux par lui, la personne vient d'un coup super méfiant, super intelligent. Donc, il a un hérité de force. Donc, elle a une campagne. Vous savez très bien, une petite amie. La petite amie est celui qui comprend très bien. Elle s'appelle Sha Itomi Yuga. D'accord, je vous ai montré. Cette fois, je vais vous montrer un peu. Je vous montrer la preuve des comparer ses deux parents. Regardez très bien la fourrure et le pelage. Donc, il rejoint le clan des morts, bien sûr. Et on ferait un petit bonus. Regardez très bien. Ok, attends, punir. Et c'est bon. Bon, d'accord, ça prend du temps pour lui, mais laissez quand même, parce que là, ça va finir.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous aimez, et abonnez-vous, et toc!